En Europe, le transfert d'entreprise est un enjeu crucial, affectant des milliers d'emplois. Pourtant, seulement un tiers des entreprises à céder est proposé sur le marché et moins de la moitié parviennent à trouver un repreneur. Cette situation touche plus de 10 millions d'emplois chaque année. Avec le départ à la retraite de la génération d'après-guerre, de nombreuses PME sont en quête de nouveaux dirigeants. Cela s'est traduit par un recul des sessions acquisitions récemment les petites et moyennes entreprises malgré leur importance dans l'économie restent souvent dans l'ombre le marché étant dominé par le rachat d'entreprises de plus grande taille des études montrent que la transmission d'entreprise fait face à plusieurs défis l'évaluation de la valeur de l'entreprise la recherche d'un candidat repreneur les aspects émotionnels liés à la cession le manque d'expertise des candidats repreneurs les problèmes fiscaux et le financement il est également évident que toutes les entreprises ne sont pas préparées pour une cession. Souvent, le manque d'investissement et la forte personnalisation de l'entreprise autour du dirigeant créent des obstacles supplémentaires à une reprise réussie. Cependant, il y a de l'espoir grâce à des initiatives innovantes. Par exemple, en France, des plateformes en ligne facilitent la mise en relation entre vendeurs et acheteurs potentiels et simplifient l'analyse des entreprises à reprendre. Pour finir, des outils gratuits permettent d'évaluer l'intérêt des emplacements pour les commerces de proximité, essentiels pour le succès des petites entreprises. Pour tout savoir, consultez notre blog où nous avons analysé ce sujet en détail.